peu ça biso confiance na musala to sala rabino o dali mission na biso ya ko informer peu ko former population to peu ba Congo démocratique plus ba fanese que émission voilà RDC ne ba o vraiment baza ba vrai donc voilà émission ça plus pédagogique to ba ka ba leçon to rater na bande de l'école et singli to mi pe ça opportunité to plutôt mi pe ça peine plutôt pour le récupérer à travers cette émission qui prend des valeurs politiques de la République démocratique du Congo. Certes, to kolobaka toujours que esengeli na ba e bazali ko kamba mboka ekolo ya Kimbangu mboka ya Lumumba to mboka ya Maréchal Mobutu ba bana ko sala ba réforme surtout na côté ya éducation tout à la tout temps to meka ko tanga ka ba ba marka na mboka na biso République démocratique du Congo. Par exemple, Patrice Emery Lumumba, Joseph Okito, Paulo Maurice, Bulikango, Cardinal Malula, Papa Simon Kimbangu, Mama Kimpavita, Président Kasavubu, Papa Honoré Mbanda Nzamboko Atumba. Et pourquoi pas, tout temps ka bango, tout temps na programme na biso, ba o ba bundi, ça dépend époque, ba yabon se bazali ko bunda, tout temps na ka bango po, biso te, donc tout ba biso, bah les que basaient na semaine biso ba na auto robota na ba o ba kozala ba koko na biso ba comprendre na telle période to na telle époque ba nani o ba marka ki na domaine x ou y lelo nazo ko offrir bino element ko intéressé bino to bi ke le 21 mars 2021 to perda ki icône politique ya mboka na biso à l'occurrence de monsieur Noreng Banaza mboka Atumba wazaki ancien ministre de la défense na époque ya maréchal to pe to ba République du Zaïre, l'élo République démocratique du Congo, Azalaki ambassadeur na Israël, Asimaki diplomatie, Yamboka Kimbangu, Aiko Souki, c'est en fonction de ma casse, Oya Asimaki, conseil spécial chargé de la sécurité à Maréchal Mobutu, c'est ce que nous avons dit à Zabanga. Alors, Alongaki Namboka Oyo, un certain 16 mai 1997, de akende ke exil azui tamoula ko fonda na France atambo na bambo ke belé pe ay ko rendre am nae 21 ans après a rendre am nae 21 ans après ya komba o ya sala ki a former a créer résistance na République démocratique du Congo misala makasa sala le biso ya ko komela biso livre ainsi son les glas la stratégie du chaos et du mensonge livre ya crime organisé en Afrique centrale les derniers jours du maréchal ay ko tika livre moko parmi ba document ya tiki na chantier livre moko ko intitulé na kombo ya les déserts oyo to kozwa temps na cabinet na yeto pe ba proche na ye to meke un peu ko réfléchir ne fils que ba oyo ba kwa ki na komba na yeto ba batike na kozala continuité à komba ya mbanda après mbanda ba comprendre les déserts concept les déserts ezali nini message ezali na kati voilà. Toutes nos condoléances à la famille biologique, à la famille politique, à la grande famille à résistance à la République démocratique du Congo, à 82 millions de Congolais, plutôt s'incliner non seulement à la mémoire, mais à la mémoire de Nekonios, à Bundela qui, où tu as 21 ans, il y a combat à la résistance, au Bakoufi, entre autres, ba victime à viol, 6 millions de femmes au Bazaki violées dans la République, au Bazala qui peut Bazaki violer dans la République démocratique du Congo, ba ebanso Bakoufi, 12 millions de morts, Togo Tanga, bae bakufi na Kishasa awa, ba fausse commune ya charnière à Maluku, ba Rossi Mukendi, colonel Mamadou Ndala, ba général Bauma, général Mbunzamabe et tant d'autres. Floribert Chebe également et tant d'autres. Non cité. Voilà, sans plus tarder, nous avons régi ce qui va préparer l'élément wana. Ba meka ko diffuser mais avant tout, nous avons besoin de flash tous na testament ya papa Honoré Mbanda Nzamboko Atumba na koma mama Candide Keke la Lyon tope Mbanda au féminin na équipe nyo sur résistance asaki accompagné na ba membre ya CNRC ba kené ko déposer ba germe de fleurs na tombe ya papa Honoré Mbanda Nzamboko Atumba ska ba kunda ki na Paris et puis tokozwa quelques réactions ya ba résistant ya RC ya la résistance congolaise et puis ba membre ya CNRC zali conseil national il y a résistance et la République démocratique du Congo basa la qui moi ben intervenir na bango et puis to sugi ça na messe monene pe makaze ça meki na Bukavu et puis na quelques réactions il y a bande comme Bukavu mais toujours promettre que ba série ezali ko continuer parce que na Kishasa awa ba conférence ezali ko salema et puis bande ko ya grand équateur ba ko se réunir na veille ya date wana ya date ya le 29 pardon, il y a le 21, et en plus de cela, plateau spécial Ezali, organisé cette fois-ci, et pas il y a
Et pas il y a confrère Nangai Jacques Kalonji, na ba émission tout ça là pour na honorer mémoire il y a icône na biso mais c'est honorer ba na Nzambuka Tumba. Sans plus tarder, régie a balancé les biso éléments aux ali prévu, c'est parti. Pour préserver son caractère secret. Mais malgré cela, nos réseaux sont parvenus à l'intercepter. Nous la publions donc en annexe de ces livres pour en démontrer l'authenticité. Et comme chacun peut le constater, ces rapports de l'administrateur Mugaza à Azarias Touberwa exposent clairement les quatre objectifs que se sont fixés les Rwandais qui habitent dorénavant cette partie de la RDC. En effet, M. Mugaza Ruserukwa Teyo, administrateur du territoire de Minembwe, écrit ceci dans son rapport au vice-président Touberwa. Suivez. Suite aux lettres que nous avions écrites, nous vous informons de quelques points décidés pendant la réunion tenue à Minembwe le 24 décembre 2003 et à Kigali le 6 janvier 2004. Nous vous signalons que nous sommes prêts à exécuter ces points, à savoir installation du territoire de Minembwe dans la province du Sud-Kivu. Imposer nos autorités partout dans la province du Sud-Kivu. Prendre le contrôle du lac Tanganyika et du lac Kivu. Contrôler tous les minéraux de la province du Sud-Kivu, voire annexe 7. Et je vous fais grâce de la suite. Comme j'ai dit tout à l'heure, livre écrit par, vous voyez très bien, Honoré Nguanda Nzamboko Atumba. Se titule « Crimes organisés en Afrique centrale ». Écrite en 2004. Donc déjà en 2004, M. Honoré disait aux Congolais, attention, il y a un complot contre le Congo. Nous avons vu monter au créneau des gens comme Lambert Mende, traitant M. Honoré de menteur, le traitant de tous les noms d'oiseaux, alors que ces derniers faisaient des recherches et ne disaient que la vérité pour le bien de son pays. Récemment, lors de l'avènement de M. Félix-Antoine Tshilombo au pouvoir, quelques temps après, M. Honoré a encore une fois alerté les Congolais en disant que M. Tshilombo est venu au pouvoir avec trois objectifs principaux. Premier objectif, blanchir l'occupation. Deuxième objectif, endormir les Congolais. Et troisième objectif, légaliser l'occupation et la balkanisation. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? C'est tout le Congo qui appelle l'ancien président Hippolyte Kanamba de son vrai nom. Beaucoup de gens fustigent ce qui s'est passé à Sun City. Beaucoup de gens, ou presque tout le monde, parlent de l'infiltration et de l'occupation du Congo aujourd'hui. Et beaucoup de gens disent aujourd'hui de Tshilombo qu'il est un agent de la balkanisation. Nous l'avons vu à Londres dire, du haut de la tribune, de la salle où il a été reçu, que les Banyamulenge étaient nos frères. Depuis quand? Les Banyamulenge sont les Congolais, depuis quand? Les Banyamulenge, en réalité, sont des Banyarwanda. C'est des gens venus du Rwanda et que les Belges ont installés dans un village près d'une montagne appelée Mulenge. Mais la nationalité ou la tribu Banyamulenge n'existe pas au Congo. Il n'y a pas longtemps, nous avons vu Tshilombo nous dire que ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre, car notre territoire deviendra l'EAC, East Africa Community. Est-ce que vous avez vu, par rapport à ces accords, des Congolais aller s'installer au Rwanda? Avez-vous vu de leur propre gré des Congolais aller s'installer en Ouganda? Et j'en passe les meilleurs. Non. Mais pourquoi tous ces gens-là s'acharnent à venir vivre chez nous? Parce que le plan consiste justement à occuper les Congos.
Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui me désole, c'est que je n'ai jamais vu un politicien congolais reprendre le mot, les phrases, les pensées. Très chers frères et sœurs congolais, congolaises, c'est la voix de votre frère compatriote Kenyatta Mirindi. Je viens de l'Est de la République démocratique du Congo et je vis ici en Angleterre. Parmi les travaux que j'ai fait, je suis aussi coordinateur de Justice Congo Group UK. C'est juste pour rendre hommage à notre héros national au nom de Papa Honoré Nguanda Zamboko Atumba, paix à son âme. Je ne peux pas passer sans toutefois dire aussi merci à tous les Congolais qui sont avec nous à ce moment-ci. Je rends aussi hommage à Monseigneur Muzihirwa Christophe Mwenengabo, à Mamadou Ndala, à Mbuja Mabe, à Floribert Chevea, à Monseigneur Kataliko, à Arma Tsungulu, à notre roi, le roi des rois François Mubeza et sa femme, sans toutefois oublier les plus de 16 millions de Congolais qui sont morts à cause de l'impunité de nos voisins, y compris Rwanda et l'Ouganda, et leurs complices. Ça fait maintenant 2 ans que notre héros national, Papa Honoré Nguanda Zamboko Atumba, n'est plus avec nous. Ça fait 2 ans qu'il a quitté cette terre de nos ancêtres à cause de son travail noble pour son pays. Je demande à la jeunesse congolaise de toujours suivre l'exemple de Papa Honoré Nguanda Zamboko Atumba, qui a sacrifié sa vie pour que nous, hommes, filles et fils congolais, puissions être au courant de tous les enjeux politiques qui se jouent dans ces pays. J'ai eu la chance personnellement de travailler avec Papa Honoré Nguanda Zamboko Atumba, parce que pour rendre son travail efficace, il faisait recours à d'autres personnalités. C'est ainsi que aujourd'hui, si tout est connu, si nous sommes révélés, nous sommes réveillés, pardon, c'est à cause de Monsieur Papa Honoré Nguanda Zamboko Atumba. C'est bien lui le père de la résistance congolaise, qu'on le veuille ou pas, c'est ça la vérité. Ces messieurs, ils travaillaient pour son pays. Il fit un grand patriote. Il aimait son pays. Il ne choisissait pas qui travaillait avec. Si tu as cette compétence, peu importe votre tribu, ou bien votre genre, il travaillait avec tout le monde. Il combattait
pour une cause noble. Très chers frères et sœurs congolais, congolaises, je vous demande tous et toutes de suivre son exemple et rester fidèles dans vos combats. Un combat noble, pas un combat de traîtrisme. C'est pourquoi je viens ici auprès de vous et surtout la jeunesse congolaise. Jeunesse congolaise, réveille-toi, il est temps. Regardez où tu es et là où tu vas. Nous sommes sacrifiés par cette élite. N'ayez plus peur, parce que sans vous, ce pays va nous échapper. Papa Honoré Nguanda a travaillé fort et il nous a laissé cet esprit. Et c'est pourquoi nous devons nous inspirer de lui, de son exemple. Wandugu wetu wa Est de la République démocratique du Congo, ya Nord, ya Maniema, ya Lubumbashi et partout. Tunawaomba mjue ya kwamba Papa Honoré Nguanda alikuwa mtu ambaye alikuwa anatupigania sisi sote bila kuangalia tribi ama région. C'est le même dimanche dans le mois de la femme. Le mois de la femme. L'université récemment là, j'ai vu des agitations. Cette messe est demandée par la famille de monsieur Honoré Nguanda au sommet qu'il y a eu transfiguration. Jésus parlait avec Élie. Tous étaient blancs plus que les carlates. Pierre, Jean et Jacques qui étaient avec lui ont trouvé beau de rester là, de ne plus revenir au pied de la montagne. C'est beau, la transfiguration, c'est comme le paradis. Nous, peuple congolais, aujourd'hui, nous devons aussi avoir le même objectif que Jésus. Monter sur la montagne, là au sommet. C'est long, c'est fatigant. Mais c'est là au sommet qu'il y aura transfiguration. Transfiguration de notre pays, le Congo, transfiguration des Congolais eux-mêmes. Ils vivront dans un pays où il y a tout et où ils auront tout. Puisque jusque-là, nous sommes dans un pays où il y a tout, mais nous n'avons rien. C'est très grave. Nous n'avons rien. La parole de Dieu nous rencontre dans ce contexte-là. Dans un pays où la population est humiliée chez elle. Où les femmes sont violées chez elles. Où il y a le pillage général des biens du pays. Mais heureusement, où il y a aussi la résistance pour qu'on ne ravisse pas le pays. Et par la grâce de Dieu, avec la prière et le combat, nous allons ravir ce pays des mains des occupants
et nous allons empêcher définitivement sa balkanisation. Et on nous parle trop de femmes aujourd'hui. Le pape François dit, pour ce carême, avançons vers le sommet, arrivons au sommet. Nous avons déjà marché beaucoup, on n'est pas encore au sommet, mais on est presque au sommet. Donc, ce n'est plus à cause d'une journée ou de deux journées de marche que nous devons nous fatiguer pour prendre, pour reculer. Quittons la peur et les distractions. Les distractions, il y en a trop. On se perd dans les distractions, l'essentiel nous échappe. On est en train de vouloir prendre le pays. Eh bien, quittons la peur. Nombreux ont des droits bafoués, mais qui ne les demandent pas, parce qu'on pense que c'est comme ça plaire à l'ennemi ou plaire à un chef qui ne comprend rien. On s'était, mais il y a des droits à demander, mais on s'était. Quittons cela. C'est aussi une façon de combattre, dénoncer le mal, dénoncer un éventuel ennemi. Il faut le dénoncer. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, j'ai vu à mon bureau un monsieur, il est venu me demander service. C'était un monsieur élancé, qu'on reconnaît par son nez et son langage. Ce n'est même pas un Congolais. Il me dit, il a besoin de faire des instructions de mariage ici. Sa femme à Kigali est en train de faire des instructions et puis on va le recommander, il va aller chez lui pour aller se marier. Dans un pays d'autrui, on ne vient pas comme ça. Moi, en tant qu'averti, que j'ai déjà été à l'étranger plusieurs fois, je lui ai demandé de me donner son document, son passeport, pour que je voie le visa, qu'il est ici légalement, ou qu'il a un document légal qui lui donne le permis de séjour ici. Au DGN, on donne ça. S'il me le montre, je veux dire qu'il est légal. Alors je peux lui donner des instructions. En fin des instructions, nous allons écrire une lettre pour le recommander chez lui à Kigali pour dire votre fils qui vit chez nous revient chez vous pour se marier, faciliter la tâche, nous l'avons instruit. Qui disent en cas de femmes violées, où sont-elles? Le financement arrive en termes de millions, on construit des chantiers en ville, des chantiers personnels. Chantier personnel, vous voyez ça? Quelqu'un peut ouvrir 5 chantiers de 5 immeubles au milieu de la ville en même temps sur le dos de la femme. Ça, c'est aussi notre violence. Ces gens s'enrichissent sur les femmes violées. C'est la violence sexuelle. C'est aussi la violence sociale. Ces gens devraient être entendus et punis. Ils devraient même remettre tous ces moyens-là. Parce qu'on a financé nos femmes violées pour adoucir leur peine. On fait autre chose. On s'enrichit personnellement. Il faut punir ces gens-là. Quelles sont ces femmes qui sont encadrées par une association? Elles sont violées, elles sont encadrées. C'est pas convenu. Il n'y en a pas. On s'enrichit sur leur peine. Moi de la femme, moi de la famille aussi. Nous allons prier pour nos mamans, pour nos sœurs, pour nos filles, qu'elles tiennent encore fortement, qu'elles luttent contre ce mal aussi. Nous savons que ce sont des femmes braves en principe. Donc nous savons qu'au pays, beaucoup de familles sont tenues par des femmes. Beaucoup de familles sont tenues par des activités de femmes qui vendent des tomates, de la braise, des pains,
et autres, des femmes courageuses. Il y en a parmi elles des femmes intellectuelles capables de diriger ce pays. Il y a des femmes qui ont dirigé leur pays, par exemple en Allemagne. Personne avant n'a fait plus que Angela Merkel. Nous pouvons avoir besoin au Congo d'être dirigé par une femme. Oui, j'en connais une qui est la responsable de la présidente de la résistance dans le monde entier de circule pour plaider la cause du Congo. Son action a aussi fait qu'il n'y a pas encore eu balkanisation. Heureusement, on respire un peu. Cette femme a remplacé Honoré Rwanda pour qui on demande la mise aujourd'hui. Ce papa qui a fait ce travail avant elle, qui a lutté dans tous les bureaux internationaux pour la cause du Congo. Monsieur Honoré a laissé sa successeur qu'on connaîtra d'un moment à l'autre. Nous, à notre niveau, nous pouvons souhaiter déjà qu'une femme dirige ce pays avec ses sentiments de femme et son intelligence éprouvée, ses activités visibles, elle peut rendre à ce pays sa couleur d'origine. Nous pouvons être transfigurés, être heureux chez nous. Nombreux ne suivent pas l'actualité internationale. Vous ne connaissez pas tout ce qui se passe, toutes les personnalités importantes, mais vous pouvez déjà avoir entendu parler d'une maman candide au Kéké. Qui travaille jour et nuit, qui écrit à tous les bureaux internationaux, qui sensibilise pour que ce pays reste uni. Elle peut nous diriger bien à la présidence, celle-là. Elle n'est pas encore candidate maintenant, non. Mais elle peut être notre modèle. Et nous pouvons la soutenir. Que Dieu bénisse ce pays. Que Dieu bénisse nos femmes, même les femmes violées. Que Dieu redonne sourire à ces femmes. Que Dieu nous donne de bons dirigeants pour que chacun se retrouve heureux chez lui. Pour le recommander chez lui à Kigali, pour dire votre fils qui vit chez nous revient chez vous pour se marier, facilitez-lui la tâche, nous l'avons instruit. Mais il veut venir simplement comme ça pour que l'écrive notre fils veut aller se marier là chez vous à Kigali. Ce document est très important. Il peut le planter partout pour montrer que chez lui c'est à Bukavu, alors qu'il n'est pas d'ici. Je lui ai donné le document, il est parti, il n'est plus jamais revenu jusqu'à aujourd'hui. J'ai compris qu'il n'est pas, il est illégal ici. Bon, il ne peut pas revenir parce qu'il voit que je suis éveillé. Ailleurs, même quand vous voulez aller à l'hôtel, passer une nuit à l'hôtel, même une heure à l'hôtel, on vous demande votre passeport. On voit l'individu, c'est qui? Est-ce qu'il a le visa? Oui. On vous ouvre l'hôtel, d'accord. Mais si vous n'avez pas le visa, vous n'avez aucun document qui montre que vous êtes légal là-bas, on ne peut pas vous ouvrir l'hôtel. Ou encore, on va alerter les services de sécurité pour qu'on vienne vous interroger pourquoi vous êtes là. C'est comme ça. Donc, il faut aimer ce pays en dénonçant tout ce qui est un peu flou. Dans les quartiers, il y a des gens qu'on connaît un peu flou, sûrement des infiltrés. Ils attendent l'heure précise pour aller récupérer leurs armes et vont chasser les gens de chez eux. Comme à Bunagana, à Rutshuru, à Kichanga. On va chasser les gens. La politique, c'est la guerre, c'est chasser la population locale pour qu'on amène d'autres populations.
Ça, on a réussi aux États-Unis. Les Amérindiens, on en a éliminé trop. Alors, des populations sont venues de partout. En Amérique, l'Amérique n'appartient pas aux étrangers, mais c'est aujourd'hui pour les étrangers. En Australie, on a chassé les aborigènes et tué nombreux. On a amené des blancs et des brésiliens qui vivent là-bas. C'est ce qu'on voulait faire aussi de ce Congo. Ça fait 25 ans que les gens résistent. Je dois féliciter tous les gens qui résistent. Je dois féliciter tous ceux qui s'exposent aux dangers, qui ont connu des arrestations parce qu'ils veulent protéger notre République. Nous visons la transfiguration. Chez nous, ça sera comme ça. Ça signifie que nous aurons des autoroutes vers Kinshasa, vers le Congo entier. Nous aurons des trains. Nous aurons des trams. Nombreux n'ont pas vu les trams ici parmi vous. Des petits trains qui circulent dans tous les quartiers, dans tous les quartiers comme ça, qui laissent chacun devant sa porte. C'est comme des trains, mais des petits trams. Des métros. On les aura, nous avons tout ce qu'il faut pour ici. Nous avons déjà prévu. Ce sont nos enfants qui sont en train de construire des grands bateaux sur ce lac qui est à Tanganyika. Ce sont nos enfants, des enfants d'ici, envoyés à Liverpool pour apprendre la technologie maritime. Ils reviennent, ils construisent ces bateaux qui émerveillent tout le monde. Nous allons construire des avions, nous allons rêver des fusées, etc., etc., tout est ici. Voilà, dans ce contexte de carême, dans la prière intense que nous faisons à Dieu, nous avons à l'esprit tout le temps nos mamans, nos sœurs, nos filles, violées par ces gens. La violence fait partie des armes. Et puis on injecte du sida, nombreux sont mortes. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des associations. Associations locales qui présentent dans le monde entier des projets pour les femmes violées. Oh, nos femmes sont violées ici, c'est vrai, c'est des millions de femmes violées, c'est connu. Par les Nations Unies, on envoie des sous pour encadrer les femmes violées. Oh, quelle femme violée est encadrée? Laquelle? Il n'y a que le prix Nobel que nous connaissons ici dans l'Est, le prix Nobel qui fait du travail médical quoi, pour soigner ses femmes. Disons qu'il n'est pas seul, tous nos hôpitaux, tous nos médecins ont fait du travail pour gérer ces femmes-là. Tous nos hôpitaux, tous nos médecins ont fait ce travail, nous devons leur dire merci. Mais ces associations qui disent encadrer les femmes violées, où sont-elles? Le financement arrive en termes de millions, on construit des chantiers en ville, des chantiers personnels. Chantiers personnels, vous voyez ça? Quelqu'un peut ouvrir 5 chantiers de 5 immeubles au milieu de la ville en même temps sur le dos de la femme. Ça, c'est aussi notre violence. Hérèse Mémoire, PN Honoré Nguanda. Il était un bon chef, un grand visionnaire, un véritable combattant constant. N'a pas cédé jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est mon anga, Ezake, Misala ya PN, Honoré Nguanda et Komiko Ganga, Lelo, partout ailleurs, en RDC, voire même, et pas ya Benemi, ya République. Les pays
est occupé. Nous sommes en guerre. Pas d'élection dans un pays d'occupation. Merci pour ce bon travail que Pen Honoré Nguanda nous a laissé. Ingeta, Ingeta. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Bonjour mes chers compatriotes. Eza Ngaïa Wabino Isaac Mwakangoma, na kati ya résistance congolaise, na ville ya Hall, na comité urbain ya Yosha, na UK, na ye kosala vidéo oyo à l'occasion ya deuxième anniversaire ya disparition ya papa Nabiso Honoré Nguanda. Juste pour na kolobela pour na tina la personne na ye, lui qui était un vrai patriote et qui n'a cessé à dénoncer pouvoir et occupation na kati na mboka na biso la République démocratique du Congo. Et de son vivant, azalaki papa moko, c'est un modèle pour moi. Et yé à la moussa et lokomo kati na ngai bolingo ya mboka. Et moto alingi mboka na ye akoki soki ata mokolo moko ko trahir mboka na ete. A passé rester à vie na ye na kati ya politique ya ko dénoncer l'occupation oyo kino lelo yo eza ko pesa passe na mboka na biso. Et il a prôné la libération ya mboka wana. Et nazana avec exemple mingi pona papa wana azalaki papa moko na ba mémoire na biso et na mémoire nanga surtout particulièrement na côté ka lokobosa na été azalaki franc et il disait rien que la vérité en aucun cas atikali ko céder pona tina likambo ya mabele moko ya kimbangu Mboka ya Kipavita, mboka ya Lumumba. Et papa Honoré Nguanda akota na kati ya liste ya ba grand. Asalaki grand esprit. Et aseda kite na ba caprice ya la communauté internationale. Et puis, na ba menace nyonso ya le sanguinaire Hitler africain et Kagame. Et Sikazali esengeli na ye apema na kimia ayeba ete na nsima na ye atiki bapeti Nguanda ebele nga naza moko ya bato bakotika bitumba te soki mboka na ngai Congo ezwi na liberation te. Sikazali molimo na ye apema na kimia e aza na esengo ayeba ete musala salaki eza na bato oyo bazwaki message epui baza kotia yango na misala. Et à l'occasion du deuxième anniversaire naïe vraiment tous à la concentrer et tout eba nini to kosala pona ko libérer mboka na biso Congo. Ingeta, ingeta, ingeta. Mbote na bino banso ba compatriotes congolais bisikanyons bovandi ezali ngande ko na bino Willy Makwala nazali membre à Paris na Cardiff chargé ya propagande na mobilisation. Juste naiko sala video yo pona kolakisa misala ya papa Honoré Nguanda o ya tika kibiso le 21 mars 2021. Tuyebi bien ke papa o ya zalaki un vaillant combattant na kati na résistance a sali mingi a informé biso a zalaki muto bana kota na se amai tango zaliko bima azo ira biso ba information fiable. Tout ce qui est, tout ce qui est, tout le monde qui est un talibon. Car si l'élo, mon kili mobi, mes alliés, qu'on peut s'aider raison. Alors, bien qu'il y ait la canalisation, ton dima quitté, car si l'élo, tu peux s'aider raison. Aïe, puis ça qui est une mission à Félix, ton dima quitté, tu finis à qui? L'élo, tu as dit qu'on m'a une mission à Félix. Aïe, pona, attendez ça, ni bon mon aïe, paye. Mbongo wacha na banki pona famille na ye. Tozo kupesa ye raison. Liwa na ye zali vide monene kati na resistance.
ezali vide monene, une grande perte pour Namboka. Pour mon bondel na biso akenda. Oya banako pesa biso ba information fiable zo uta na source. Akenda. Mais esengo na biso zaliete lelo mukili mobimbe zali kolobela ye. Mukili mobimbe pesa papa ngwanda raison. Azaki na raison. Baye baka mutu soka zate. Soki mutu wana zana na bomoi. Bamoni ye pamba. Mesi manaye mukili. Epe si ye raison. Yango tuye kolobela misala na ye. Biso banso. Tukanisa misala ya papa Honoré Ngwanda. Soki lelo zali koloba. Balkanizasyon. Lelo zali koloba. Zali komona misala ya Félix. Ndengi bazali kolapide mbongo ya leta. Ndengi bakomi. Na bisika bango bakomi ba grand riche ya mondo yo. Ezali poete basinyaki bakor pona koteka mboka. Soki toyebaki yango, ezali pona papa Honoré Ngwanda. Ata tofingaki emelezo zokopesa rezo. Eloko eza ya solo, pe tokobosana te, ete papa Honoré Ngwanda azali ikone kati na resistance. Pe tokotikala kobosana misala na ye te. Voilà, nakanisi interese bino yo ozalaka. Peut-être une information te tupe yo oyo au kanise ko kufaka te to ko tikala ka éternellement to zo ko rappeler que to za bisonyo so libenda za te nzeta za te bisonyo to ko kufa mo be pas za te bisonyo so moto nyo so za kile mwanza mbe nenge Yesu Masia waza o incarna ki image ya Dieu le créateur éternel Dieu vivant akufaka ezala ki de to banda ki sa ala ki biso parcours ya vie ya moto na se ya mort donc naissance croissance et puis mort mais Tozolo ba toujours que la mort, parce que la mort n'achève pas tout et elle n'est pas la fin de tout. Luka otika misala ya malam. Osa la misala ya malam de façon que soki yo kei na yo, misala no kotika la koganga. Papa Honoré Ngwanda atiki lipso héritage. Plus de 5000 vidéos atiki, atiki ba livre, atiki idéologie à résistance, à lobby, na pensée na ye, c'est l'occupation et pensée na ye zali libération. Donc, a senga ki na ba congolais nyonso ba rejoindre résistance ba obazana kata ba institution ba démissionner ba rejoindre résistance pour que tout ça la front commun to bundisa occupation et puis to libérer mboka na biso république démocratique du Congo. Merci na la grande famille à résistance, merci na ba ndoko nyonso ba partenaire ya Dosta TV ba o nyonso ba soko soutenir idéologie o yo pe ozana besoin au rejoindre résistance à travers ba numéro na biso contact benga biso to ko biso ni to ko sala pour que to continuer combat ya papa Honoré Ngwanda nzambo ko atuma non seulement combat papa Honoré Ngwanda mais eza combat ya Congo parce que lui n'est plus mais misala na etikali to ko sala continuité ya combat ya république démocratique du Congo soko zili ba ko la na biso na télévision T émission est disponible sur YouTube, beta www.dostative.com ou ko rejoindre biso pour mon intégralité avec monsieur Tokosa la rapona ko éclairer opinion nationale qui est internationale. Merci beaucoup na collaboration. Merci na ba journaliste nyonso ba zoko opportunité. Ya ko kuta na papa Ngwanda, merci na kulutu na Jean-Pi Njonji. Merci na kulutu na nga Jacques Kalonji, Pirise Pembele. Merci na bande ko nyonso. Il y a résistance, il y a RCO, Bazana, Kishasa, entre autres, bah, Pichu Montana et tant d'autres non cités. Mais merci encore une fois na bah, Bazali na Mikilia Poto, tout bah, Bazali na Afrique, Europe, Amérique, partout. Tout est une occasion, Moussousou, pour na, toujours continuité à combattre résistance. Ingeta.